prochain ballon, s'il vous plaît. Écoute, Samy, je ne veux pas que tu ailles tout seul, donc tu vas aller chercher Sherlock et Mélissa qui vont t'accompagner, d'accord? Tiens, Mélissa, je te prête les clés. Merci, Mais. Je crois bien que je devrais mener une enquête. Oh, tu as raison, Sherlock. Il est possible que ce soit M. Wolf qui se soit fâché quand il a vu Sammy piquer le ballon rouge. Qu'en pensez-vous, ma très chère Mélissa? Je trouve votre idée vraiment bizarre. J'ai du mal à m'imaginer Sammy avec un tampon sur la tête. Ah, pourtant, je crois que ça lui irait très bien. Peut-être alors que ce sont des voleurs qui sont rentrés dans la classe. Ils ont attaqué Sammy pour lui voler son ballon rouge. Puis ils sont repartis à moto et en voiture. Je crois que nous allons voler le ballon rouge. Je suis d'accord. Je vais assommer Sammy. Je ne crois pas qu'un voleur chinois et un ninja viennent attaquer un élève français. Tout ça pour un ballon rouge. Oui, mais si ce ballon a un trésor à l'intérieur, tu comprends, Mélissa? Oui, je comprends, mais c'est vraiment bizarre comme théorie. Peut-être que c'est Madame Violet avec un vase qui l'a tué dans sa classe. Ou alors Monsieur Melon avec un couteau dans la cantine. Ou alors Madame Texo dans le bureau du directeur avec un téléphone. Ou peut-être Madame Laine dans la bibliothèque avec un dictionnaire. Ou bien Monsieur Marchand dans les escaliers avec un pot d'olive. Oh oui, je sais, Madame Hollande, dans le jardin, avec une tulipe en plein visage. Mais qui a vraiment tué Sammy? Nous le saurons peut-être un jour.
Mais qui l'ont fait exterminer. Ah, j'ai bien dormi.